Dis donc, j'ai un doute, là. T'as baissé un peu le son de cette crétinerie, qu'on puisse discuter un petit peu. Entre êtres humains, on peut échanger des idées, quand même, non? Non. Vraiment, ce week-end, c'est à qui sera le plus fuyant. Personne ne regarde plus personne. Comme s'il n'y avait pas assez de bordel. Bon, bah alors, en tant qu'être humain, je t'écoute. Et pourtant, je suis claqué. Parfois, tu vois, je me demande si ce serait pas beaucoup plus simple si j'étais homosexuel. Alors bon, là, autre chose. Ouais. Oui, vous m'avez l'air beaucoup plus adulte hein, sur le plan sentimental. En tout cas, c'est l'impression que tu me donnes. Je ne t'ai jamais vu vraiment torturé par un problème de couple, toi. De toute façon, quand on te plaque, tu t'en fous, ça te fait ni chaud ni froid. Je trouve surtout que tu devrais être moins con, moins égoïste. Hein? J'ai pas baisé depuis 83. Tu comprends? Au prix d'une volonté d'acier. Alors tes pauvres histoires de ratage de couple. Bon, je t'en prie, à cause de ton égocentrisme, Antoine, démentiel. Hein. Merci bien. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Pourquoi tu m'agresses, enfin? Si je peux même plus te parler à toi, mais ça devient vraiment fou, là! Les filles te plaquent parce que ton côté prof paternaliste les fait chier. Merci beaucoup!